Bonjour, je me présente, je m'appelle Noémie Makota. Donc nous sommes ici au CHRS, Centre d'hébergement Emmaüs du Bois de la Baie à Épinay-sur-Orge. On est en ce moment en résidence Transat, c'est une résidence d'été. Donc je vous emmène dans les locaux. C'est une salle qui nous a été généreusement prêtée par le CHRS, où nous faisons nos ateliers et nos créations. Donc pour l'instant, on est en train de mettre en place justement notre espace de création. On va ajouter ici des enceintes, on a un ordinateur, des micros, des synthés, des guitares, des percussions. Donc pour l'instant, vous voyez l'espace, on va dire, un petit peu à nu. Et au fur et à mesure, on va venir l'investir avec les résidents et les résidentes. La base, une carte son pour enregistrer des sons audio. Qui est reliée ensuite à deux enceintes préamplifiées, des petits micros. Avec une bonnette pour tout ce qui est postillation. La pompote pour quand t'as un petit coup de bout. On a un peu tout type d'instruments, donc là c'est guitare, on a un peu des percussions aussi que je vais installer. Pour, voilà, c'est intéressant en fait de mettre des instruments dans les mains de personnes qui n'ont même pas pensé un jour faire un instrument de musique ou quoi. Enfin, ils arrivent avec des intentions en fait qui sont super intéressantes. On peut voir en percussion et tout qu'il y a des gens qui se débrouillent bien, même sans savoir faire les choses. Madame, mais vous êtes d'accord quand on n'arrive pas à placer ça. On est en train d'installer un système. Alors, notre idée de projet, c'était de créer ce qu'on a appelé un podbum. Un podbum, c'est la contraction du terme podcast et du terme album. Donc voilà, on a fait podbum. L'idée, c'est que ça soit à la fois, comme je dis, un podcast, c'est-à-dire qu'on partage des idées, des connaissances, des savoirs, des vécus, avec vraiment une création musicale, des créations de musique, des partages de chants. Et donc l'idée, c'est de créer ça avec des résidents et résidentes du CHRS. Oh, j'adore danser. Jusqu'à présent, c'est une super expérience. On fait énormément de rencontres et donc nous, on travaille sur la question des traditions. Comment est-ce que nos traditions nous sont transmises? Est-ce qu'elles nous sont transmises? Et malgré ou grâce ou à cause de la migration, qu'est-ce qui nous reste de traces en fait de ces transmissions-là? Et ce qui fait que c'est à la fois très intéressant et assez touchant aussi, parce que les gens nous partagent vraiment les traditions dans lesquelles ils ont vécu depuis, dans leur enfance, et qui les animent en fait encore. Donc on regarde plein de vidéos, Bonjour. On regarde des vidéos, on découvre des danses, on entend des chants, ils parlent de nos langues, de la gastronomie, donc c'est vraiment assez riche, c'est très riche comme échange. Et qui fait 1448 minutes, je suis dans mon lit et qui vit dans ma tête.